Who the hell are you? Relax. I'm your neighbor in cell 15. Oh, yeah. Mathis's pilot. I cleaned you up the best I could. You might have a broken rib. Maybe more. Mathis opened up a couple of bad cuts on you, so I stitched them up. Gave you a shot of antibiotics. Hopefully that'll prevent serious infection. Thanks. Yes, you seem to know a fair bit of first aid. Well, I'm married. I know a doctor. And, I get hurt a lot. With friends like Mathis, I'm not surprised. Oh, Mathis is no friend of mine. We'd better hurry before the guards come back. There's something I need to tell you about the prison. I'm listening. Solitary. It's on its own locking circuits, separate from the rest of the prison. Mathis and his guys, they haven't figured that out yet. But when they do... When they do, they'll get Donner out and there will be hell to pay. They blame you for Donner? Mathis thinks I use some kind of override to keep Donner locked in there, even when the rest of the cells went haywire. Well, did you? Nah. I can't figure it out. But someone is out there messing with the system, messing with Mathis, and keeping Donner inside. I might have an idea of who it is. You see someone out there? Not saw, but I talked to someone on the phone. Right. The old rotary phone system would still work. Redundancy for when the sad phone goes down. Right. Shit, they're coming back. Get back in your cell. You gonna be okay? Just don't let them find you in here. If you get to talk to whoever was on the phone again, do whatever they ask. Because right now, they are the only thing keeping us all alive. Think we can trust them? The enemy of my enemy is my friend. Hey, how'd that happen? Wow. Yeah, must be glitchy. These idiots think I'm a fool. They don't think I can figure out what happened here. That they were too chicken shit to take care of the warden themselves. And sent you out into the cold to do their dirty work. And you, risking your life to save a guy you don't even know. What a fucking Boy Scout. That's me. You still don't get it. Don't you see that in this new world, Mackenzie, Boy Scouts will be the first to die? And yet... here I am. Well, smartass, if you're gonna make yourself useful, you're gonna make yourself useful to me. Am I? Yes, you are. And why am I gonna do that? Well, because... hard case. Right. Get back out there, pilot. Go find out what's wrong with this place. What do you have in mind? Well, obviously there's something wrong with the power. Though he's been no help, a map in the warden's office shows this place has its own power plant, so... go check it out. Give me some power, so I can open the gates to Solitary. Right. Power. Solitary. Got it. And Mackenzie. Yes? Don't Donald. Or... the warden gets it for real this time. Eh ben... Mais
Mathis said to give you this. That doesn't look like a coat. That's because it isn't. It's a bit of a map. Shows the way to the dam. Looks like you can just follow the power lines or something. It's cold out here. I won't find a dam if I freeze before I get there. Do I look like a guy who gives a shit? You don't want to freeze out here? Then get moving! Bastards. At least this map looks real enough. Salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve sur The Land Dark. On a pu voir qu'on débutait le chapitre 2, la centrale, donc épisode 1 du chapitre 2. On n'a plus de manteau, donc vous voyez, quand je vous ai dit dans l'épisode précédent, bon, je pense pas qu'ils vont piquer les vêtements. Si. Ils m'ont piqué mon manteau, donc je n'ai plus de manteau. Donc c'est la misère. Alors, on va se mettre à l'abri un petit peu. Bon, de toute façon, il faut qu'on sorte de là. On va aller là. Et on va regarder où il faut que l'on aille. On va peut-être prendre le livre. Ici, on va reprendre tout ce qu'on avait mis. Sans oublier que quand on reviendra, bien sûr, il faudra tout poser. On va regarder, là, il n'y a rien. Donc, au niveau des quêtes, il faut qu'on aille à la centrale. Alors, si on affiche la carte... À chaque fois, je me trompe de bouton pour la map. Donc, vous voyez, on n'a plus le manteau. Ils nous l'ont piqué. On aurait dû le laisser à moins que j'arrive à en retrouver un. Mais c'est pas gagné du tout l'affaire. Alors, si on regarde la carte, on est ici. Et il faut qu'on aille à la centrale, c'est-à-dire ici. Sachant qu'ici, si on regarde, on a donc un point d'eau là, qui fait tout ça. Ici, même si on venait à monter par là, c'est bloqué. On ne pourra pas atteindre. Donc, si on regarde notre map, ça ne va pas être une partie de plaisir parce qu'il va falloir qu'on refasse tout le chemin qu'on a fait à l'envers. Voilà, ici. Et là... À moins de passer par le pont, et je suis même pas sûre. Alors là, on peut voir qu'il y a... Je peux pas zoomer. On peut voir qu'il y a quelque chose ici. Donc, ça va être une vraie misère. Non, parce qu'il y en a encore un là. C'est une vraie misère de trouver le chemin là pour pouvoir remonter jusqu'à la centrale. Donc, je ferai peut-être des coupures parce que je vais sûrement tourner en rond, etc. Mais on va essayer de devoir se rendre à la centrale. Et évidemment, le blizzard se lève. C'est génial. Ça va être une vraie misère. Ce qu'on va faire en attendant, parce que le blizzard se lève, on va faire le tour de la prison un petit peu. Voir si on n'a rien raté, rien oublié. Parce qu'on n'a pas tout fouiné non plus dans la prison. Hein, donc, en attendant, peut-être que le jour se lève, qu'on y voit mieux. Parce que faire l'escapade là qu'on doit faire jusqu'à la centrale, c'est pas gagné, hein, je vous le dis moi. Voilà. On est un petit peu à l'abri du vent là. On a aussi des notes hein, qui nous manquent. Parce que là, la température va descendre super vite. Et notre pauvre Mackenzie... Je pense qu'on va le perdre à plusieurs reprises. Hein. Je ne suis pas encore en surpoids, donc je vais prendre du bois de chauffage ici. Il n'y a rien. Les notes sont très très bien dissimulées. Hein. Il nous en manque quand même. Hein.
C'est marqué vide, mais j'ouvre quand même. Hein. C'est logique. C'est ma logique. Alors. Là, le blizzard s'est un petit peu calmé. Mais bon, je préfère partir à l'aventure, dirons-nous, deux jours. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Des cailloux. À se réabriter dans la prison. Je pense qu'il va falloir qu'on se fasse pas mal de feu sur le chemin. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a là? What have we here? On a une clé. Ok, sauvegarde. Ouvrez le casier numéro 2 de Black Rock, voir la map. Le casier numéro 2, voir la map. C'est là-haut, mais si, ils ont fait l'école du rire. Hein. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est qu'on a ici? Rumeur sur Black Rock, le loup agressif. Donc lui, on va attendre un petit peu, on allait le tuer. Le casier numéro 2. Ok. Alors. Je ramasse pas mal de petits bois parce que ils ont vachement durci le jeu. Et le blizzard, c'est une horreur. Hein. Alors déjà, on va voir ce qu'on trouve dans ce casier numéro 2. Ça serait bien. Encore faut-il que je sache où il est dans le jeu. Il m'attaque pas, ça va. Pas rentrer. Parce que la nuit, c'est l'enfer. On n'y voit pas super bien, bien, bien. C'est moi qui devrais porter des lunettes, peut-être. Mais... Non, c'est pas ici. C'est là que je vais plus retrouver la sortie maintenant. Bah, il suffit que je suive mes traces de pas en fait. Hein. Les loups n'ont pas l'air de vouloir me... S'il y a quoi? Ça nous disait de suivre les câbles à haute tension pour arriver jusqu'à la centrale. Hein. Donc on va voir. Ah, le blizzard commence à se relever. Ah. Par où es-tu passé, Shirel? Casier numéro 2. On va l'ouvrir. Ah.
casier numéro 2, mais où? C'est ça le truc, hein. La prison est grande. Hein. C'est l'infirmerie. Fermée. C'est un labyrinthe. Un labyrinthe horrible. Alors, casier numéro 2. On a des casiers. On a un casier, mais ce ne serait pas celui-là. Là, on a ouvert. C'est pas ici. Qui se lève, on va y voir de moins en moins. C'est horrible là pour y voir, hein. Honnêtement, l'enfer sur terre. On avait fouillé. Au moins, on était à l'abri du vent. Bon, casier numéro 2. J'y vois que dalle. Hein. Je suis un petit peu à l'abri. Est-ce que je pourrais pas prendre une... Voilà, ça pour m'éclairer. J'ai pas de torche, hein. Si là, peut-être. On va utiliser la torche. Hein. Parce que là, j'y vois absolument rien. Alors, casier numéro 2, j'espère qu'elle va tenir la torche. Ah, on a un sac ici, vide. On avait pris. Alors, ici. Non, on peut pas rentrer. Il va pas passer là. On peut pas ouvrir. Je trouve vous là. Non, le jeu me hait. J'ai rien. Où pourrait être ce casier numéro 2? Je peux pas ouvrir. I think I can use this. Et je me retrouve là. Je
Pardon, excusez-moi. Je peux pas ouvrir. Alors. Parce que là, on aurait un casier numéro 2. Moi, on est à l'abri. On reprend du poil de la bête, je dirais. Parce que ça souffle dur dehors. Hein. C'est réfrigérateur. On va allumer la torche parce que j'y vois absolument rien. On n'est pas rendu à la fameuse centrale. Hein. On pourra toujours servir à faire du feu pour notre petit Mackenzie. Ah, casier numéro 2. This will come in handy. Ok, un pantalon, un manteau. D'accord. Donc là, on a récupéré notre manteau. Alors, il s'est automatiquement habillé avec. Pas de problème de ce côté-là. Pardon. Niveau chapeau, il n'en a pas du tout. Non, il n'y a pas de chapeau. Ici, on a eu un nouveau pantalon. Alors, il a 30% d'humidité. Est-ce que celui-là est mieux? Celui-là serait mieux. Il faudrait que je puisse le réparer. Et je n'ai pas de tissu. Bon. Par contre, si je recycle celui-là. Alors, plus 1, 0, 0, 2, moins 1. Et celui-là, plus 0, 3. Ok. 0, 0, 2. 0,02, 1,99%. Je pourrais recycler celui-là parce qu'au niveau température il me redonne 3 degrés et celui-là me redonne plus 1, donc je vais détruire celui-là qui est humide. On va le recycler. Voilà, et on va prendre celui-là, on va le réparer si on peut le réparer. On peut pas réparer dans le noir. Ok, on réparera après. Est-ce qu'on a la possibilité? Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres casiers? Celui-là des vérolés ici, on est dehors, on va fermer la porte. Est-ce qu'on aurait d'autres choses ici? Ah oui, on était monté. La torche, elle est morte. Ouais, elle est morte ma torche. Alors ben, on va utiliser ça hein. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié des choses en haut? On va pas y traîner non plus. Gentil le jeu de me sauvegarder à un moment où si on peut pas. Là il n'y a rien du tout quoi. On va voir si on peut le faire dormir. Histoire de partir de jour, quoi. Hein.
Un bonnet. I could use this. Il y a des choses qu'on avait zappées. Fait que j'y voyais pas. Vide, vide. Prendre le bouquin là. Tant qu'il est pas en surcharge. Hein. Ça, je peux pas l'ouvrir. Voilà, on avait tout fouillé. Vide, vide. Tout est vide, on avait vraiment tout fouillé. À voir si on peut le faire dormir. Voilà, alors, ben on va le faire dormir 4 heures, on va voir. Ce serait bien que la tempête soit finie et qu'il fasse jour. Alors, il fait pas jour, mais la tempête est finie. Ça n'a pas l'air de souffler, du moins. Alors, il va boire un coup. Normalement, on a de l'eau. On avait pris de l'eau. Je ne l'ai plus. Je n'ai plus d'eau. Alors, ben les toilettes. Si. Oh, secours. Où sont les toilettes? Toilettes. Voilà. On va se prendre, voilà, prendre. Something's gotta go. Tu dois te séparer de quelque chose. Ouais. Alors là, j'y vois plus. Je ne sais plus où je suis. Il est un peu lourd. Hein. On va le faire boire. J'aurais dû le faire manger avant. Ok. Donc là, il est un peu trop lourd. Too much stuff to carry. Écoute, je vais essayer, Mackenzie, de te faire poser des affaires. On va en reposer dans le casier. Encore faut-il que mon GPS fonctionne. Ceux qui me suivent, vous me connaissez. Hein. Je me pomme. La preuve, je suis ressortie. C'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. Je vais ressortir par là et on va aller lui faire poser des affaires dont il va pas avoir besoin pour éviter qu'il soit trop lourd parce qu'il y a un risque d'entorse. Alors j'ai déposé certaines affaires dans le petit placard et ensuite j'ai réparé le pantalon qu'on a trouvé. Donc on est parti. Il n'y a pas de blizzard, ça va. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse souvent du feu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre comme ceci. Hein. On va longer la route. On va aller jusque là. On va prendre le pont. J'espère que c'est par là. Parce que là, je ne vois pas du tout comment on peut arriver à la centrale qui est ici. Je ne pense pas que je le ferai en un seul épisode. Hein. La centrale, ça va être partie 1, partie 2. Je pense que je vais bien galérer. Allez, on est parti. On va s'équiper de notre... On est toujours aussi lourd. On va s'équiper de notre... Pas de beaucoup, mais bon. De notre fusil. Sait-on jamais. Ok. Et on est parti. Alors, je peux pas courir du fait que je suis trop lourd. Donc, on est parti pour la misère d'aller rejoindre cette centrale.
qui a l'air super compliqué à rejoindre. On nous dit de suivre les lignes à haute tension. Évidemment, j'ai un brouillard à couper au couteau, ce qui me facilite la tâche. C'est énorme. Allez, petit Mackenzie, tu tiens bon. Alors, je suppose que comme dans tous les autres épisodes, à chaque ligne à haute tension qu'on doit avoir, doit y avoir du loot dessus. Seulement faut-il encore les atteindre sans mourir de froid. Ça va être dur, dur. Franchement, ils ont vraiment, mais vraiment corsé le jeu. Alors, là, je vois. Là, on n'a pas de ligne à haute tension. Je suis en train de m'égarer de ma route. Hop. Et vous me connaissez avec mon GPS, ça va être l'enfer. Hein. Bon, là, j'ai un loup qui est en train de manger, mais je me fais pas attaquer, donc ça va. Là, c'est les batteries que j'avais laissées dans l'épisode précédent. Hein. On était trop lourd déjà. Au niveau de la map, on va couper par là, je pense. Ça va être un enfer cet épisode. J'ai pu voir sans me spoil des youtubeurs qui ont bien galéré pour y arriver. Donc je pense qu'on va galérer. Faut pas dire autre chose. Au niveau de la map. Ouais, c'est par là. Ah, ici j'ai une corde. Est-ce que c'est par là? Vous êtes en surcharge, c'est une blague. Je peux pas escalader. Qu'est-ce que je pourrais jeter? Mon nouveau boîte, non. Ça, je peux l'action, le recycler. Ça m'embêterait de devoir jeter le bois ou les livres, bien qu'il y en ait, mais je suis toujours en surpoids. On va en jeter 3-4. Je suis plus en surpoids. Donc normalement, je vais pouvoir escalader là. Bien. Je sais pas du tout, mais du tout, c'est par là qu'il faut aller. Ok. Au niveau de la map. Je peux pas repasser par le haut. Je me suis déjà peut-être perdue. Il fallait peut-être pas descendre avec cette maudite corde. On verra. On verra, on verra. En tout cas, du bois, ça c'est sûr. On en prend. Sinon, on perd notre petit Mackenzie. Et ça serait un peu... un peu chiant, faut être honnête quand même, si on le perdait tout de suite là. Alors, ici il n'y a rien. Il y a du bois. Et je peux pas courir. Je suis encore trop lourde. Heureusement qu'il ne faut pas que j'escalade. Faut que je continue par là. Il va se faire une entorse, hein, je sens bien. Quand il a un surpoids comme ça. Et je n'y vois pas. Hein. Aïe. J'ai mal pour lui, le pauvre. Alors, là, on peut aller tout droit.
Bon, déjà, on a pu récupérer un manteau, c'est déjà pas mal, on va dire. Pas se plaindre. Alors. Accoucher les loups, hein. Cette voiture, elle a ton fouillé. Non. Mémo de Blackrock, individu suspect. Nous avons reçu de nouveaux signalements au sujet d'une personne suspecte. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer le lieu, la date et l'heure si vous apercevez cet individu. D'après les renseignements dont nous disposons, son itinéraire passerait par la vieille masure en pierre du lac qui se trouve à l'est de Blackrock. Ok. Prendre. Objet trouvé. Chercher des indices à la vieille cabane. Faudrait pas trop me dire deux choses à la fois, hein. Ça fait beaucoup. Est-ce que je peux afficher la map dans la voiture? Alors, on a un nouveau lieu qui serait où? Oh là là, complètement à l'opposé. Alors, on a ici une, le loup à tuer. Et ici, là c'est le loup, pardon. Et ici, les rumeurs de Blackrock, faudra y aller. On va d'abord aller à la centrale, hein. Si on peut, parce que là maintenant qu'on est ici, on ne va pas repartir là-bas. Hop, on va sortir du véhicule. Donc, hop. Est-ce que je suis dans le bon sens? Vous me connaissez maintenant. On va regarder si on n'a rien oublié ici. Parce que bon... bien caché, le vieux poste de contrôle. Ah non, on l'avait même pas découvert, le lieu. D'accord, le vieux poste de contrôle. Je ne peux pas passer ici. Y a-t-il une porte? En tout cas, je peux pas rentrer là-dedans. Ah si, je dois pouvoir. Oui, ici il y a rien. Ça va me servir parce que je n'en ai plus qu'une. Je sais pas où est passée la seconde. Qu'est-ce que j'ai ici? Une scie à métaux. Si je prends ça, c'est mort. Could end up being useful. Une balle. Du tissu, je pense. Ouais. C'est quoi ça? Pierre à aiguiser. Est-ce que je pourrais me faire une torche? Alors, on va déjà faire ça. Fabriquer. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal. Alors, est-ce que je pourrais me faire une torche? Oui. Que l'autre, elle est morte. Là, on peut faire des fagotins, mais non, non. Ok. Alors. On peut rentrer là-dedans, oui. Abandoned. Some kind of substation control. And shelter. For me, anyway. C'est sûr que ça te fera un bon abri, hein. I think I can use this. On se ment, évidemment. Ici. Vide. Un manteau, des chaussettes. On va regarder si le manteau est mieux que l'autre. Sinon, on recyclera pour réparer, pour mettre les autres en état. Trop lourd. Mais on va trouver une solution, Mackenzie. Pour l'instant, tu fouilles. Tu râles pas. Alors, livre, non, on n'a pas besoin. Ici. Hop. Livre ici. On va laisser ça, le livre. Pile de papier. Non, la chaise, on va pas la détruire. Rapport d'archives. Alors,
Rapport d'archives. J'ai connu l'un des premiers directeurs. Je faisais la cuisine pour lui et pour les autres aussi. Mine de rien, j'ai fini par bien le connaître. C'est comme ça que ça se passe avec les gens comme lui. Pendant le repas, il me posait des tas de questions du genre « Que pensez-vous de ceci ? Quelle est votre opinion sur cela ?» En général, je haussais juste les épaules. Qu'est-ce que j'en savais, moi, à ces histoires ? Mais bon, j'avais déjà été cuisinière pendant la guerre, j'avais l'habitude. Il avait la tête sur les épaules, enfin, autant qu'un type dans son genre peut l'avoir, en tout cas. Mais il avait des idées bien à lui pour tout ce qui est des crimes et des châtiments. Il faisait tout le temps des sermons comme quoi ça allait leur faire du bien d'être là, aux prisonniers. Le mont Blackrock, être dans un coin horrible, c'était leur mission, qu'il disait. Moi, je n'y comprenais rien. Ok. On va le prendre. On a trouvé un rapport d'archives. Alors, le téléphone, il fait pas de ring-ring. Hein. La madame, elle nous appelle pas là. Et là, l'interrupteur ne marche pas. Alors, ici. De toute façon, c'est pas la peine de se speeder. On risque trop de se speeder dans ce jeu. La survie est vraiment, vraiment compliquée. Bon, elle marche pas. Ici. Ça, je le laisse. Étagère en métal, du schtroumpf. J'espère que c'est encore bon. Je ne suis pas sûre. Prends la lampe à tempête, ça peut servir. Qu'est-ce que c'est? Des pêches au sirop. Du porc. Ici, du pays d'eau. Étagère, là on a objet fouillé. Ouais, on a laissé le bouquin. On va réparer les vêtements. Hein. Hop. Ici, il n'y a rien. Alors, on ne sait pas grand-chose au sujet du premier architecte de Blackrock, J.W. Jan. Concepteur et fabricant d'orgues à la base, il s'est reconverti dans le bâtiment après avoir émigré au Canada à la fin du 19e siècle. Pour ce qui est de ses influences, on sait seulement qu'il était fasciné par les monuments égyptiens, le philosophe britannique Jeremy Bentham, et plus étrangement, la musique et l'astronomie de la Grèce antique. Ses travaux dans la prison ont façonné le paysage de Whidbey Island pour lui donner un caractère vraiment unique. Ok, on va le prendre. On a trouvé un autre objet. Ici, il n'y a rien. Du tissu. On va le décomposer. Ça nous va permettre... Tant qu'il fait jour, bon, voilà. La nuit, par contre, on va éviter d'être dehors. De toute façon, on n'y voit rien. Un soda. On va réparer un petit peu tout ce qu'on a à réparer niveau vêtements. Faire le tri. Hop, ici... Un téléphone. Est-ce que c'est que la dame, on en a besoin, elle nous appelle pas. Hein. Elle est vache. Donc, il n'y a rien de plus. Ici, on a bien tout fouillé. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... attendez. Hop. Ici, il y a un autre papier. Comme quoi, il faut bien prendre son temps. Alors, en tête d'un sous-traitant, Linda, je sais que c'est un sujet délicat vu que vous allez être les deux seuls à travailler cette saison. Mais essayez de garder un œil sur Sam. Ses rapports sont de plus en plus rares et de moins en moins cohérents. Ici au siège, on essaie de faire ce qu'on peut pour vous envoyer davantage de main-d'œuvre, mais tu connais aussi bien la conjoncture que moi. Ok. Ici. Dans le travail. La poubelle, on n'a pas fouillé la poubelle. Hein. Je croyais que c'était une écharpe. Ah ben oui, c'est du tissu. Ok, donc on va regarder au niveau des vêtements où on en est, là, un petit peu faire le point vu qu'on est à l'abri. Alors, au niveau du manteau ici, alors on a celui-là qui est pourri. Ici, on aurait autre chose, on a l'imperméable. Il me semblait pourtant, alors ça doit être peut-être dans les pulls. Non. La chemise, non. Donc, ça par contre, on va peut-être le décomposer. Non, on va pas le réparer. Le décomposer, le recycler. On le porte pas. Voilà. Et on va réparer tant qu'on peut. Action, on va réparer. De façon à avoir le maximum de vêtements... à 100%.
Alors lui, il est à 100%, c'est bon. Alors ici, on avait le pantalon là qui était à réparer aussi. Alors, on est moins lourd, c'est une bonne chose. Alors lui, il est bon. Lui, 99%, 71%. Alors, le chapeau là, on va le réparer. On peut entendre le blizzard. D'ailleurs, le soleil va pas tarder à se coucher. On entend le blizzard dehors qui souffle. Ça, c'est réparé. Ça, on va le réparer. On n'a plus de tissu. D'accord. Bien nourri. Pourtant, tu as rien fait. Je lui ai rien fait faire. Alors, on va essayer de sortir, mais j'ai peur que... J'ai peur que si je pars là, je me tape la nuit directos. On va regarder s'il n'y a pas des choses à prendre aux alentours. On va avancer prudemment. Hein. Alors là, il y a par exemple un escalier. Tant qu'il fait jour, je pense qu'on passera la nuit là, si on peut, bien sûr. Alors là, on a un fil électrique, donc on est sur la bonne voie. Hein. Voilà, il fallait passer par là. Ah, là, il y a une... Hope nobody needs this anymore. Ok, risque d'entorse, mon pauvre Pepper. On a une file à haute tension, donc c'est bon, on est sur le bon chemin, je pense. Alors, on va réparer, on a un bout de tissu supplémentaire. Hein. On va réparer, qu'est-ce qu'on avait, l'écharpe, elle est un petit peu, non, ça va, le bonnet, ça va, l'écharpe 69, ça par contre, c'est, on va le réparer. On va éviter que notre petit Mackenzie ait trop froid, on n'a plus de tissu, donc hop, retour. Alors ici, bien vérifier qu'il n'y ait plus rien, ça n'a pas l'air. Entendre les maudits loups. Là, il n'y a rien. This will come in handy. Un bout de bois, mais ça peut aider. I need to drop something. Alors, il faut qu'il jette quelque chose. De toute façon, il va manger. On a une cuisine là, je ne sais plus. Il n'y a pas de micro-ondes. Hein. Non, il n'y a rien du tout. Je peux pas faire de café. Est-ce que je peux le faire dehors? Par exemple, ah ben là, j'ai un truc pour chauffer. On va faire du feu. On va mettre... faire du feu. On va peut-être se faire un petit café pour la chaleur, pour le bonus chaleur. Essayer d'avancer un petit peu. J'ai pas réussi. Well, that didn't work. Raté. Mackenzie, au moins tu seras plus lourd. On va faire ceci. Faire du feu. J'ai pas lu le pourcentage en haut de réussite. Hein. Histoire de préparer du café, préparer des choses pour être bien après la nuit. Ok. That did it. 16 minutes, on n'a pas beaucoup. Alors, on va mettre ceci. On va se faire un café, cuire. Si je peux en faire un autre. Va des rétro satanas. On va peut-être se faire ça.
On va passer la nuit là, de toute façon, on n'ira pas plus loin, on va avancer progressivement. Mais je préfère y aller prudemment parce que c'est vraiment très très compliqué d'aller à la centrale. Donc j'espère que mon petit Mackenzie va tenir le choc. Alors, 2 minutes, 1 minute, allez. Alors j'ai vu qu'il y avait un système pour le faire plus vite. J'ai vu certains qui prenaient. Hop là, hop. On va le prendre. On prend ça, on a C, ici, il y a un système, j'ai vu au niveau des Américains, ils font un système, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop compris comment ils font, mais apparemment il y a un système pour aller plus vite, pour faire chauffer les affaires. Hop, voilà, on va le prendre. Voilà, alors, ici, on a tout pris, on s'est fait une torche, là j'ai l'impression que la nuit va tomber. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on passe la nuit ici et qu'on se retrouve dans le prochain épisode pour continuer à avancer avec Mackenzie jusqu'à la centrale. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour l'épisode 2 du chapitre 2 dont le titre est la centrale. Mais on n'y est pas encore arrivé. Donc, faudra être patient. Allez, plein de bisous. À très vite. Bye bye.